Bonjour, c'est Gadu et bienvenue sur The Gaming pour l'épisode 11 du Let's Play de Stranded Deep en compagnie de Farah. Et coucou. Coucou, donc toujours avec Farah en multi, hein, donc à gauche Farah, à moi et moi à droite, pardon. Voilà. Voilà. Gadu regarde le bateau avec moi à côté et moi je regarde la maison. Voilà, c'est ça, c'est moi qui bouge là. Et donc du coup, on se retrouve pour cette vidéo en fait où on avait parlé du radeau à la dernière vidéo. On était plutôt impressionné par le fait qu'il soit plutôt bien fait comme ce radeau. Mais en l'occurrence, il nous faut d'autres morceaux, hein, parce que là en fait on a un petit radeau. Ce qu'on aimerait potentiellement c'est faire un 3 sur 3, je pense que là après c'est un peu indécent. Et puis ouais, là voilà, 3 sur 1 c'est quand même pas terrible quoi. Il y a bien 3 sur 1, 2, 3. On y a ajouté l'encre, hein. On y a ajouté l'encre aussi. Il y a l'encre qui était en place, alors l'encre c'est obligatoire parce que c'est vrai que dès qu'on s'arrête il faut qu'on puisse planter l'encre. Sinon le bateau va se barrer, on aura bien dans le nu. Donc on a un gouvernail pour piloter, on a une voile pour avancer, on pourra pas reculer. Mais ça reculer c'est facile, il suffit d'aller à l'eau en fait. Et puis on tire sur le bateau, puis voilà. On mettra peut-être potentiellement une voile plus tard à l'envers pour faire une marche arrière pour le style, mais bon, c'est pas obligatoire pour le moment. Donc voilà, donc ça c'est notre bateau. Ce qu'on va essayer de faire, c'est... en fait, là on a des pneus et des tonneaux. Alors on a essayé de les trimballer, hein, parce qu'en fait, ils étaient juste sur le bateau qui était là-bas, le grand bateau qui est là-bas. Ils étaient en fait dans une cale, en fait, enfin plutôt vers l'avant, donc c'est l'avant de ce bateau-là, en fait, que je fixe à droite, hein, en fait, il est là. Et dedans, en fait, on a trouvé des tonneaux et des tonneaux et des pneus. On s'est rendu compte que pour crafter une structure, il fallait deux pneus ou trois tonneaux. Et donc du coup, bah, nous, deux pneus, c'est plus avantageux. Donc ce qu'on va faire, on va faire une structure en pneus. Ouais, c'est 5 bouées, 3 pneus ou 2 tonneaux. C'est 5 bouées ou 3 tonneaux. 2 pneus ou 3 tonneaux, pardon. C'est 2 pneus, 3 tonneaux ou 5 bouées, tout à fait. 5 bouées, c'est ça. Donc là, les 5 bouées, elles sont toujours pas 5, donc c'est pas trop un problème. Les pneus, ils sont par 3, donc en fait, on en a toujours un en plus. Les tonneaux, ils sont par 3 aussi, mais voilà, on consommera les 3. Donc en fait, les pneus, c'était plus avantageux. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre une structure à l'avant, là. Et ce qu'on va faire pour la beauté, ça, on a parlé un petit peu en vidéo. On va pas mettre des bouts de bois, on va mettre une structure en planche. Parce qu'on a des planches, vu qu'on l'a pas utilisé pour la maison, parce que ça nous coûtait vachement cher. On s'est dit pour le bateau, ça sera peut-être plus stylé. Peut-être plus robuste aussi d'ailleurs. Tiens, pourquoi une fille, moi, qui tombe par terre. Donc je vais ramener ça. Alors, par contre, le coffre, ils ont été légèrement améliorés. On est un petit peu plus trié. Il y en a certains qui ont des noms, comme vous voyez. Récipient bois, en fait, c'est le nom par défaut. Hein. Voilà, planche, c'est ici. Donc on a besoin de deux planches. Hein. Donc je prends déjà les deux planches, c'est fait. Voilà. On a besoin aussi de fibres, c'est pas une fibre, c'est une... Oui, il est là, le coffre. Ouais, il est là. Mais sauf qu'il n'y a pas de, ficelle. On a plus de ficelle dedans, enfin de corde. Ficelle, si je me trompe pas, en haut à gauche, là. Non, tu les as bougés, d'accord, ok. Non, mais peut-être qu'il n'y en a plus, hein. Il n'y en a peut-être plus, c'est ouais. C'est ce que je me suis servi un petit peu en vidéo. Donc il n'y en a plus, mais c'est pas grave. Attends, ceci dit, tiens, on prend celle-là, déjà. On a de quoi en faire, hein. Oui, on a de quoi en faire, on est large, hein. Alors l'objectif c'est d'aller sur notre île, et la première chose qu'il y a à faire sur notre île c'est... Ah non, déjà faire ça c'est bon. Ah non, par contre il y a juste à avoir un problème, c'est que comment on craft avec des pneus dans la main? Bah déjà il faut le marteau aussi, il faut le marteau. Parce que les bouées en fait je les avais dans mon inventaire, donc c'était pas un problème pour crafter l'objet. Et il faut te trouver juste à côté en fait. Ouais, tu crois que ça marche, hein, comme ça? Oui, non, c'est pas que je crois, c'est que c'est comme ça que ça fonctionne. T'as pas besoin, les pneus et les tonneaux, tu peux pas les avoir dans ton inventaire, à défaut des bouées. Donc il faut que tu sois juste à côté pour pouvoir crafter avec. Voilà, si je fais ça, non c'est pas ça. C'est ça, planche étagère, mais c'est pas ça. C'est connerie. Hein. Alors on y retourne dessus, hein. Je vais vérifier de quoi j'ai besoin. Donc on va essayer de faire une structure qui sera en nœud. Voilà, sauf qu'elle est là, mais sauf que... Tu veux pas faire, hein. Si, c'est parce que... Si, moi j'ai réussi. Donc, Faut que je sois plus près que ça. Comme ça. Non vas-y, mais bouge pas. Si. Attends, là je suis dedans, on va voir si déjà il me met un. Je sais pas s'il me mettra un en fait. Ouais, là, vraiment tu colles ça, comment ça goûte. Mais non, tu vois, ça, il y est pas. Je vais mettre entre les deux. Stop. Ouais, voilà, nickel, voilà. Là on peut mettre plus dessus là. Je peux même m'accroupir si tu veux, comme ça dedans. Tu vois, comme ça là. Non mais c'est bon, déconne pas trop. Non mais arrête, tu vas tout faire tomber. Stop. Ah là. Il veut toujours pas. Normalement, Alors ça c'est marrant ça. Je vais peut-être en viser, peut-être qu'en visant, mais bon, c'est ce que je viens de faire. Mais... Oui, regarde là, en bas, voilà, là, en dessous. Voilà. Là, attends, je propose... Oui, voilà, il me propose de le poser, ok, nickel. Donc on va essayer de le poser, donc... on va le poser au milieu, parce qu'on va essayer de faire ça. Si tu veux que je soulève, attends, je vais soulever. Ah bah ça c'est bon, nickel, voilà. Et ce que je vais mettre des planches dessus. Et pour mettre les planches dessus, bah il faut juste ça. Et là, normalement... C'est ça, hein, planche étagère. Non, c'est pas ça. Ça voudrait que ce soit ça. Donc on retourne dans construction, véhicule. Donc c'est ici, et là ce serait... Ouais, c'est ça. Ça a de la gueule aussi avec le tonneau. C'est planche... Ouais, bah, je trouve ça plus sympa avec les planches, on verra ça. Ah, t'as vu ça? Voilà, donc ouais. Je pense que notre bateau entier, il faudrait le faire comme ça.
Donc ouais. si tu veux bien péter le reste, éventuellement, on peut péter le reste. Absolument, tout à fait. Oh là, tu sais, moi il suffit de demander, hein, si je peux rendre service. Alors par contre, on va tout perdre, hein. On va perdre l'encre, on va perdre tout. Hein. Ils vont tomber à côté. Voilà. J'ai ramassé juste de quoi faire donc ces fameuses. Bah, non, mais sinon, si tu peux les enlever, bah, sinon, il faut les recrafter. Ouais, j'ai l'impression perdre la moitié. Tu vois, je ne peux pas détruire cela, il y a un objet, objet fabriqué en dépend. Bah, faut que tu détruises d'abord, mais bon, au pire, c'est pas grave. Ok. Je pensais pas forcément que t'allais le faire au final, mais... Bah si, t'es obligé. T'es obligé, pour casser le bois, t'es obligé de casser le lampe. Alors là, Farah, j'ai encore un petit bug, là. Ah, c'est bon. Ça marche. Attends. Après, non, j'arrive plus à taper, hein. Ah. Donc tu vois, c'est bien, en fait, quand on est accroupi, il y a un truc. Par contre, c'est pareil, hein, pour la planche du milieu, il va falloir enlever le gouvernail et la... Voilà. Et la voile. Hein. Donc je peux plus taper, enfin. Hein, c'est le problème réglé. Là, je peux encore sélectionner, tu vois, sur moi. Mais il y a bien un problème. Et ben, ellipse alors. Ouais, c'est, je pense qu'il y a bien de suite. Donc on fait une petite sauvegarde. On va revenir en fait sur le menu du jeu. Et puis on se reprend ici, pile, quand j'aurai trouvé. Où c'est qu'ils sont ces putains de planches, par contre, là, parce que ça m'énerve là déjà. Ah, elles sont là. À droite. Alors, par contre, là, il faudrait toutes les planches en fait. Et de toute façon, prends-les pas, parce que si jamais il faut sauvegarder. Pas rien, on va revenir à zéro. Non, on s'en fout, regarde. Moi j'ai les 6 sur moi, donc là les 3 structures je pourrais les poser. C'est juste que je vais pas le faire maintenant, mais là on sauvegarde et on quitte en fait. Oui. Bon, et ben bref, on se fait une petite ellipse et on se reprend bah, dès que c'est débugué. Allez, ellipse. Alors on se reprend de nuit, on a un petit peu avancé quand même, hein. Finalement on n'a pas que débugué on va dire mon personnage. On a aussi refait le sol en planche, puisqu'on y était parce qu'on s'est dit que c'était peut-être plus intelligent de le faire en vidéo, parce que sinon on n'est pas rendu. Donc voilà, on a des sols en planche, c'est facile, on a cassé en fait le sol en bois, on a mis des planches à la place, hein, facile. On a préparé aussi des coffres qui sont là-bas. Au cas où on trouve d'autres pneus, mais dans le sens, sur toutes les îles en fait, il y a des pneus, il y a des tonneaux, il y a des trucs jaunes là, comme ça, les bouées. Donc ça, je vais pouvoir prendre avec moi, si je peux. Si on est... Oui, moi j'ai laissé mes coffres. Et puis voilà, normalement, alors mon inventaire est assez plein, mais sauf que là j'ai une viande à manger que je mangerai, et puis il y a aussi la boussole là, qui si nous emmerde, je la jette, hein, parce qu'on en a trop. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est... on a de quoi ramener potentiellement deux structures. Qu'on a eu encore une fois les serpents à tuer aussi. C'est oui, alors c'est vrai que vous n'avez pas vu ça dans les viewers, mais en fait on a eu les serpents qui ont repop sur l'île. Hein. Vous savez qu'il y a deux serpents et deux crabes qui popent sur notre île. On a retué les serpents, donc en fait ça repop quand même assez souvent. Par contre, on est très mal niveau boisson, parce que niveau en fait feuilles de palmier, en fait, on a quasiment tout consommé. Il va falloir qu'on y retourne. Il va falloir qu'on ramène de la pierre aussi, parce que la pierre on n'a plus du tout. Zéro. Donc non, dans mon inventaire, j'ai voilà une pioche. Une pioche ici. Et puis voilà, après le reste c'est farmer aussi potentiellement de la fibre pour refaire de la ficelle, enfin, le tout classique quoi. Donc voilà, donc notre ado déjà, bon, il ressemble à une bite on va dire, avec ses couilles là. Non mais c'est un peu ça quand même. Hein. Et donc ce que j'aimerais c'est compléter les deux trous. Donc j'espère qu'on va trouver soit des tonneaux, soit des bouées, soit des pneus. Et de la pierre aussi pour faire notre encre. Et il faut de la pierre, après. Oui, c'est vrai que oui. Alors j'ai embarqué toute la pierre en fait dans mon coffre, en fait on a besoin de 6 pierres. En fait en cassant en fait ce qu'on avait sur le bateau, en fait on perd un petit peu. Et du coup, on a perdu 2 ficelles, je crois, et 4 pierres. C'est ça. Un truc comme ça. Donc, les ficelles, c'est pas trop un problème pour les refaire, donc je les ai refaites. Par contre, les 4 pierres, bah, on les a pas. Donc, il va falloir farmer sur notre île les 4 pierres. Donc, objectif, ramasser 4 pierres, ramasser en fait, aussi des tonneaux, des bouées ou des pneus, et puis se refaire en palmier et se refaire en autre coco. Voilà, objectif, c'est ça. Les deux coffres qui sont ici, Farah, on les laisse là. Oui, on les laisse là. Oui. Ok, donc ça, c'est les coffres vides. En fait, on a essayé de travailler sur le bateau. On s'en va là-bas sur le côté du bateau. Hein. Alors, moi je ressors ma boussole. Ce qu'on va essayer de faire, parce que aux dernières vidéos, en fait, on s'est baladé vers le sud-est. Et on revenait vers le nord-ouest. Ce qu'on va faire du coup, c'est on va aller vers le nord-ouest et on va revenir vers le sud-est. Comme ça, on fait des îles en fait qu'on n'a pas encore fait. Enfin. Donc, si tu regardes en fait mon plan, il faut aller pile dans la direction où je regarde là, tu vois, c'est pile nord-ouest. Bon, par contre, évidemment, il va falloir que tu contournes, mais. Mais voilà. Ce que je peux faire, c'est me mettre si tu veux au bout ici, hein, parce qu'on a un joli petit truc. Alors, je sais pas si ça nous servirait trop d'avoir en fait un 3 sur 3. Enfin, on s'est posé la question. Enfin, moi, je me suis posé la question. Parce qu'en fait déjà un 3 sur 2 en fait c'est déjà vachement grand. Après si peut-être pour la symétrie peut-être Farah, vu que c'est des structures qui ouais, sont assez allongées. Oui, bien sûr. Voilà, peut-être qu'un 3. Un 3 sur 3 c'est peut-être bien, mais au-delà par contre c'est débile. Enfin je crois pas qu'un 5 sur 3 ce serait bien ou un 5 sur 5 là c'est. Déjà un 5 sur 5 ça fait 25 pièces hein, donc c'est quasiment mort. Parce qu'on est obligé de le faire en fait en. Alors pour la longueur pas forcément. On pourrait faire par exemple un 5 sur 2, un 5 sur 3, un 5 sur 4, un 5 sur 5. Mais ce qu'il faut quand même c'est que le gouvernail soit centré au milieu. Donc là on est obligé de faire un nombre impair, c'est pour ça que je vous dis toujours 1, 3, 5. Donc là on est rendu à 3, donc 3. Ouais, 3 sur 2, 3 sur 3, 3 sur 4, 3 sur 5 si on veut. Il va être super allongé si on fait ça, mais c'est pas grave. Mais dans l'autre coordonnée on peut pas. Alors par contre là il faut que tu parles légèrement à gauche. Très légèrement, hein, pas de.
pas trop compliqué, mais très légèrement. Et pour info aussi les viewers, le bug qu'on a eu tout à l'heure, je pense que c'est dû au fait que je sois accroupi. Au fait que je sois accroupi. J'ai dit deux fois, mais c'est pas grave. On le voit en face d'ailleurs, là. Regarde. On voit un truc en face. Alors ça, c'est pas ça. Voilà, on le voit là sur mon écran, je sais pas si vous voyez. Juste, alors ça bouge beaucoup de haut en bas, mais c'est bien par là. Tu peux arrêter de faire bouger le... Oui, merci. J'arrête. Merci. Donc je disais, c'est le seul point blanc là sur mon écran. En plein milieu, là on le voit à peu près, on voit une île. Donc on arrive un peu de nuit, c'est normal. Parce que sinon on n'est pas rendu, on est déjà rendu au jour 20, je vous rappelle ou pas, parce que je sais pas si on l'a vu en vidéo, mais on est rendu au jour 20. Donc on survit plutôt bien, avec notre méthode d'aller fermer les... Il y a un truc sous l'eau là. Non, c'est le reflet de l'eau, autant pour moi. Ouais, c'est le reflet de l'eau. J'avais un doute. J'ai vu une tache marron un instant. Donc voilà, alors le bateau, comme vous voyez, va beaucoup plus vite que la rame. Enfin encore que, c'est pas dit qu'il aille beaucoup plus vite, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas à se faire chier à ramer. Et au moins vous avez une meilleure vue, hein, les viewers, parce que sinon il y a une baleine à droite par contre, là, clairement. Là, par contre là, t'as dérivé un peu à droite là. À tribord, faut aller. Voilà. Là t'es bien. Oui, il y a la grosse baleine. Une belle baleine, hein. Qui est un peu buggée d'ailleurs. Bonjour, c'est moi la grosse baleine. C'est ça. Pou pou, elle fait comme ça. La bouche pleine d'eau. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, non, mais le jeu en fait me plaît carrément plus en fait depuis qu'on sait déjà qu'on peut faire un radeau customisable, pas un radeau en fait une seule pièce, qu'on peut le faire en fait de la forme qu'on veut, avec le sol qu'on veut, avec la voile où on veut, le gouvernail où on veut, etc. Donc déjà ça me plaît beaucoup plus, et puis du fait qu'on arrive à survivre en fait, avec avoir de la flotte assez facilement, et ben c'est beaucoup mieux. Sachant que, oui d'ailleurs au passage, je crois que vous avez pas vu qu'on avait deux distilleurs d'eau. Hein. Ah non, on l'a pas fait ça, oui, effectivement. Distillateur d'eau, on a fait un deuxième, ouais. Ouais, on a fait deux parce que, et en fait, on voit plus vite que ça a généré. Enfin, c'était pas le cas, mais presque. On perdait beaucoup de temps, en fait, donc du coup, on s'est dit, voilà, autant faire deux. C'est pas un chacun, on s'en fout, hein. C'est là que le distillateur est fait pour un joueur, parce qu'à la base, c'est un joueur, mais comme on est deux, oui. Eh ben, effectivement, on le vide plus rapidement. Donc c'est pas une question de quantité, en fait, c'est plus une question de vitesse, de craft. De vitesse, fait. Voilà. Ouais. Ça nous évite, parce que sinon, si on attend, en fait, bah, notre flotte, elle redescend, en fait, juste pour attendre la flotte. Il y a un problème de vitesse de distillerie, il y a un problème de consommation pour nous, en fait. Donc, on consomme beaucoup ou de distillage. Distillagerie. Alors, au passage, je vois qu'il y a un bateau à droite. Ça distille beaucoup moins vite que nous, on boit, en fait. C'est ça. Et, est-ce que tu pourrais faire un petit détour par le bateau qui est à droite? Juste pour voir déjà s'il y a quelque chose dedans ou pas. Alors, je sais pas si c'est île là. Alors, je crois qu'on l'a déjà visité, est-ce mais en vidéo. Est-ce que tu l'as vu, est-ce que t'as vu comment j'ai viré de bord nickel, là? Alors, j'ai pas vu sur ton écran, mais les vieux ont sans doute vu. Ils pourront mettre dans les commentaires si t'es un bon pilote ou pas. Un bon skipper, comme on dit. Mais à part ça, oui, on a déjà été sur cette île. Alors, je sais plus à quel épisode. On a été fermé un petit peu, mais ça repop, hein. Vous inquiétez pas, que c'est comme sur notre île, hein, ça repop à l'infini. Enfin, ça repop doucement, hein, mais ça repop. Donc là, je peux remercier. Alors par contre, t'es devant, donc tu me dis quand est-ce qu'il faut que je remballe la voile pour qu'on s'arrête, hein, parce que... Alors toi, il va falloir que tu restes sur le bateau. On n'a pas d'enjeu, je rappelle. Oui. Après, ceci dit, sinon, va sur le... Toi, accoste, hein. Moi, je saute dedans, hein. Voilà, je vais aller directement dedans, en espérant qu'il n'y ait pas un requin. Je vais sortir ma petite lampe, parce que là, en fait, on va rien... La petite lampe qui est où? Que j'ai dû jeter quelque part et que je n'ai plus. Ça c'est fait. Par contre, il y a un coffre là à l'étage. Il y a un coffre. Alors, on va aller voir ce coffre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a une étiqueteuse et. Attends, faut que je prenne le coffre. Oui, prends le coffre directement. Ouais. Attends, je vais voir d'abord si. Bah, il y a des pneus. Juste, j'ai à peine le temps de le dire, il y a des pneus en fait. Enfin... Bah, écoute, j'arrive. Non, en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien non, mais que tu deviennes. J'essaie d'approcher le bateau au plus près. De toute façon, je suis pas sûr qu'on puisse les poser dessus. Hein. Ce qui compte, c'est que. Et éventuellement, ce que je fais, c'est que je te les jette et toi, tu les ramènes sur le. Ouais, mais alors attention, parce que le bateau, il reste pas sur place, hein. Il bouge. N'oublie pas qu'on a pas d'encre. Hein. Ouais, mais tu restes debout dessus, toi. Oui, mais regarde, je viens de me coller au bateau. Regarde, je suis en train de reculer là. Attends, est-ce que tu pourrais le faire accoster le bateau pour être sûr de pas le perdre? Là, je sens que les pneus vont voler. Voilà, c'est évident. Il y en a déjà un qui est à la mer. C'est pour ça que je voulais faire. Attends, j'ai essayé de le jeter. Hop là! Ah oui, super! Alors, dis donc, t'as été lanceur de pneus professionnels, hein? Attends, on va faire un deuxième. Attends, t'es prêt? Attends que j'arrive. Hop là! Attends que j'arrive. Et lui, il a volé, mais il a volé un peu à gauche. Et tu vas essayer de les jeter sur le bateau directement? Trop tard. Il en reste un. Attention.
Hop là. Ah oui, bah écoute, il est en derrière toi, celui-là, encore mieux. Bon, ça va, elle arrive, il est pas très loin, donc c'est quoi, alors, on va faire déjà une structure. J'espère qu'ils vont juste pas se barrer. Je vais aller voir en dessous s'il n'y a pas autre chose. Alors déjà, il y a un coffre, si t'en bouge pas, il y a un coffre. T'es prêt pour le coffre? Attends, j'ai réussi à bloquer le bateau. Alors le coffre, regarde, j'ai réussi. Attends, j'ai bloqué le coffre. Toi. C'est bon, j'ai peur. J'ai réussi à bloquer le bateau en marche avant contre le bateau, donc ce qui fait que... Ah oui. Ah merde, ah oui, non. Ah par contre, moi j'ai d'accord, pas... D'accord, voilà, ça c'est fait. T'as retourné le bateau. C'était pas loin. Oui, mais j'ai trouvé un requin en dessous. Ok, je regarde dessus. Ça c'est fait. Donc tu disais... Eh ben, je disais que tout était à la flotte. Alors voilà un pneu. Mais attends, arrête, moi je... Ah ouais, mais non, on peut pas mettre les pneus dessus. Regarde. Oh putain. Tu fais griller par quoi là ? Requin. Alors, c'est quoi ? Moi j'ai posé les pneus ici. On va s'emmerder, sinon je suis pas attaqué. Eh ben, on fait gaffe à ta vie. Hein. Tu te casses où tu veux, mais tu survis. Hein. T'es comment, t'es niveau vie ? Bon, ça va, t'as deux cases, c'est pas grave. Mais par contre. Il joue le requin. Hémorragie. Est-ce que tu vois le requin ? Il est là. Sous les pneus ? Putain. Attire-le là, bouge tes fesses. Je sais pas. Attire-le. Youyou, le requin ! Attends, mais j'ai sprinté. Hop, j'en prends un. Et je cours, je tourne dans le sens. Vite. C'est bon, j'ai déjà un deuxième pneu. Là, ça c'est bien. Donc là, déjà, on peut faire une structure en plus. Bonne nouvelle, les viewers, voilà. Ensuite, je vais essayer de tirer le troisième. Je sais pas si c'est utile parce qu'en fait, il nous faudrait. Attends, avant de ramener le pneu. Parce qu'au final, on va pas le ramener le pneu. Ah, si, c'est peut-être sur le bateau si on peut. Parce qu'en fait, chez nous, il nous reste 3 pneus. Hein. Donc, tu vois, on pourrait faire, parce que c'est 2 par 2, on pourrait en fait en utiliser un, le mettre sur le bateau. Si on peut, mais sinon. Alors, ça, c'était pas mal. C'est même pourquoi excellent. Mais regarde-moi. Oh, putain. J'ai marché pourquoi sur quoi pourquoi le bateau s'est mis comme ça? Alors, c'est pas grave qu'il soit mis comme ça en fait. Moi, ça me dérange pas. Ah oui, ça me permet de monter sur le bateau tranquillement, tu diras. Voilà, hop là. Alors, moi, j'ai le dernier pneu, c'est parfait. J'ai le dernier pneu. Le troisième pneu. Est-ce qu'il y en a un autre en dessous? J'ai pas ma lampe, enfin. Non, mais ouais, mais moi je suis regardé où est-ce qu'il y a le requin là, parce que je dois descendre pour tirer le bateau là. Alors, déjà j'ai posé mes coffres aussi, les viewers. Même s'il y a une bestiole qui va nous tomber sur la gueule dans un instant. Déjà j'ai mangé aussi parce que cette viande là va me saouler. Voilà. Là, normalement, je suis au top. Par contre, c'est niveau boisson que je suis pas au top, mais normalement, c'est du repop. Hein. Il y a peut-être des crabes, des sangliers, on sait pas ce qu'il y a. Mais il doit y avoir quelque chose sur cette île. Est-ce que tu pourrais ramener le bateau par ici? Oui, mais attends, parce que là je suis en train de ramener tout, un bateau, un requin. Et il faut tourner dans le bateau pour voir s'il n'y a pas des pneus. Hein. Donc moi j'y vais, enfin. Hein. J'y vais, je speed, en fait on est obligé, ça sert à rien d'avoir en fait 4 pneus si on en fait. Problème, moi je vois rien, donc le problème c'est que. J'ai bien voulu que tu files. Donc j'ai ouvert la porte. Alors déjà il y a une caisse. Il y a une caisse dedans, est-ce qu'on a autre chose? Une caisse. Ah, là il y a une porte aussi. Il y a encore des choses à fouiller ici. Le problème c'est que j'ai une hémorragie donc. Ouais, bah on va faire un petit bandage. Il faut un tissu par contre pour faire un bandage. Putain. Ah, ça n'a pas de tissu. Il y a quoi, la merde. Ouais, ok. Et il y a quoi? Il y a rien. Il y a quoi? Alimentation de véhicule. Il ne faut pas essence. Ouais, bon, ok. je suis un peu tout sous l'eau, mais c'est pas grave. Je vais essayer de ressortir cette caisse. Oula, moi je la prends avec moi. Voilà, je la prends avec moi. J'ai un tissu. T'as un tissu? Tu l'as trouvé où? Sur la plage. Nickel. Je rentre avec la caisse. Hein. J'essaie de pas me faire griller par le regard. Ni se taper une anémone aussi. Tiens, voilà, nickel. Hop, c'est bon, j'ai ramené la caisse. Ah, ça. Ah, par contre, on a un problème. Enfin, c'est qu'on a un seul pneu. Faut de la ramener. Enfin, du coup, je peux crafter une structure en plus. On va le faire parce qu'en fait, selon la maison, on a aussi 3 pneus. Donc, autant le faire maintenant. Dans les caisses, je dois avoir de quoi le faire. De toute façon, il va falloir vider en fait ce qu'on a ici. Hein. C'est aussi simple que ça parce que moi je peux pas ramener tout ce qui est ici. C'est quoi qu'il nous faut déjà? Il nous faut donc des pneus, ça d'accord. Ensuite, il nous faut. Non, mais c'est pas vrai, mais il y avait pas de crabe il y a 5 minutes, il vient de pop. Non, il est mort là. Il est mort celui-là? Non, il est vivant. Là, il t'as plus bien dans le cul. Hein. Voilà. Et vas-y. Un dernier coup. Voilà. Alors, je regarde ton écran en fait. Ouais. On quitte. Alors, est-ce que moi je peux faire le. Bah, il faut que j'en ramasse des rochers. Il y a deux tissus. Nickel, bah, c'est parfait.
Alors moi, mes toits et pneus là, base de radeau en pneus n'est pas activable, Farah. Est-ce que t'as le marteau sur toi? Non, mais de toute façon, c'est pas activable, c'est, il me met en rouge, il me met pas en blanc. Alors, si je Ouais, mets c'est dedans, là, cool. si je me mets dedans carrément. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas, ces conneries. Voilà, il me dit toujours qu'il y en a, non, il y en a pas. Alors peut-être qu'il faut un troisième pneu et que c'est buggé. Oh, putain, sans déconner. Ah, faut... Oula. Elle est beaucoup. Oh C'est quoi putain! ça? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Oh putain, c'est un gros crabe. Alors, ça, oui, ça va, c'est pas grave. Ta vie a un peu dû trop bouger, je pense. Ouais, mais c'est pas possible. Elle s'en sortira. Regarde ton frère, comment il est! Il est en mode surimi, le truc. Ah moi ça marche toujours pas, je peux toujours pas faire en fait la base en pneu, c'est ça qui me fait marrer, c'est... Putain, alors, excusez-moi les viewers, ça me fait rager parce qu'en fait, c'est censé marcher quoi. Là tout est bien collé quoi, je veux dire, j'ai trois pneus autour de moi quoi. Ah là c'est bon, ok, alors bon j'ai pas le marteau avec moi, mais là c'était bon. Où Donc, c'est con? marteau est là, voilà. Ok, donc je vais en mettre dedans, on essaie, on croise les doigts. Elle est là-bas. Par contre j'ai d'avoir besoin de toi faire un pour un jour. Oui, bah pour l'instant j'ai un crabe. Ouais, Deux les deux secondes, là. hein. Mais quittez pas. Toujours pas. C'est vraiment au hasard quoi. Allez, il veut Allez, bien. vous bien. T'as comme quoi ça joue à un poil de cul. Hein. Ah, bah c'est bon, en fait, hein, c'est bon, en fait, t'as pas besoin. Là, ça se met directement. Faut juste qu'il se barre pas le bateau. Hein. T'as bien fermé la voile. Attends, c'est Et quoi j'ai. il est pas dans l'eau, donc il devrait pas se barrer. Bah, si, Hein. bah, si, excuse-moi, il a bougé. Il a bougé tout seul. Hein. Donc, les planches, il m'en faut deux pour poser un seul en planche. J'ai fini d'abord qu'il y a personne autour de moi. Ok, c'est nickel, parce qu'il faut que je vide mes coffres en fait, tout simplement. Donc c'est pas ça qu'il faut, il faut qu'on fasse ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est C'est pas marrant sur ça. cette île-là, il y a du bois flotté. Voilà. Ça. Voilà, donc du coup, la maison, en théorie, on pourrait faire au moins un sol en plus. Donc, je vais le poser, voilà. Donc là, déjà, on a C'est pas vrai, c'est quoi ça? sanglier, Un sanglier. sanglier, putain. Mais alors, attends, mais t'as plus, hein? Ah oui, T'as mais plus, attends. sinon, il faut. Où est ta vie? Où est ta vie? On le tape. Vas-y, on le désingue. On le désingue, je suis derrière toi. Vas-y. On se retourne et là, je vais le latter. Par contre, il faudrait bien que tu me mettes parce que sinon, je vais mourir. Ah oui, bah, et je fais quoi, là, ton avis? Ok, merci, c'est bon, on l'a latté. T'es comment? Oh, bah, ça va, on a perdu une case. Bon, c'est bon. T'es comment, toi, du coup? Parce que t'as peut-être. Attends, il dit non, le cochon, regarde-le. Non, 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 je ne veux pas être mangé. Eh, par contre, ne t'accroupis pas par contre, ça. Hein. Je crois que le bug, tu sais, parce que. Est-ce qu'on le dépiote ou pas? Non, on le dépiote pas, on le laisse comme ça pour On le dépiote pas? Tu le ramènes sur le bateau, comme Il ça. mériterait pourtant. Est-ce qu'on. Et, blague à part, est-ce qu'on peut. Ah oui, on peut, putain. Et par contre, enfin, j'ai un problème parce que. Alors, bon, déjà, l'équilibre, faut que je ramasse. Est-ce que tu la vois la queue du cochon? Tu la vois la queue du cochon? Il y a des planches, tiens. Encore des planches. Alors, je vais commencer par jeter mon inventaire. Reste C'est pas là, possible. Pumba. On va s'occuper de toi après. J'ai de la ficelle, enfin j'ai plein de trucs sur moi. Arrête en de fait. dire non, mais arrête de dire non, t'as pas demandé ton avis. Non, 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 il fait. Non, 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 non. Eh, t'avais pas de quoi faire une corde tout à l'heure? Alors attends, non, j'ai du tissu moi, si tu veux. Non, mais c'est pas ça, en fait. Est-ce que tu pourrais me faire un pansement? Est-ce que tu as ce que je faut pour faire un pansement Oui, ou pas? complètement. C'est ça que je voulais te faire justement. Alors attends, parce que moi j'ai Ah, vu. tiens, voilà, tiens, ah, tiens, hey, je jette là. Tu l'as vu? Voilà, en fait ça m'arrange parce que c'est besoin d'une ficelle en moins. Donc le reste, attends, hey, moi je jette. Ça, je jette. En fait, ce Alors, que je attends, veux, parce c'est. que. Et t'as vu des planches tout à l'heure là-bas, tiens. J'arrive, ah, non, il dit toujours non le cochon là. Ah, Non, non, oui, non, non, Ah oui, mais Attends. non! Donc là, déjà ça, ce que je veux, moi, c'est poser ce putain de marteau là. Voilà. Le reste, je peux le prendre parce que là, je vais me remplir de cailloux en fait, pour être dur. T'as toujours deux coffres sur toi, hein? Je les ai lâchés, mes coffres. J'arrive où il y a un crabe au loin là-bas. Là. Tu les as lâchés, bon, c'est pas grave, mais enfin, t'as deux coffres. Ils sont à côté de toi, de toute Il y a façon. un Ils sont crabe à côté de super bien vivant là. Hein. Ils sont à côté de toi, mes coffres, hein, de toute façon. Il y a un crabe bien vivant là. Attends, j'essaie de le choper par derrière. D'habitude. T'es en train de ramasser des planches, tant qu'à faire, il y a des planches, ça peut nous servir. Oui. Bah, les planches, c'est quatre bûches à chaque fois. Hein. Non, c'est une bûche. Donc oui, tu peux les ramener, ouais. Parce qu'en plus ça se stocke, donc en fait c'est super super bien. Il faut donc des planches, des cailloux, des palmiers. Alors des palmiers, ça il nous faut masse. J'ai encore désingué un crabe. Hein, par contre, je vois plus de cailloux. Enfin, là j'ai très peur en fait que là-dedans il n'y ait pas de cailloux. Alors j'ai amené ma pioche. Oh putain, serpent. C'est de mon côté ou c'est les tiens là? Il est où? Je le cherche. C'est bon. Alors, s'il est près de moi. Oh putain.
Oh putain, il est juste à côté de moi, regarde. Il vient de Pauvre là. Attends, bouge pas. Attention, pousse, recule, hein, recule. Recule. Un petit salopard. Il a pop devant ma gueule, cette enfoiré. Mais c'est clair qu'il a pop, celui-là, il était pas tout à l'heure. Vas-y, désinglue, là. Vas-y, ralentis, là, ralentis, mon coup. Ah, c'est bon, je... Ah, il bouge plus. Tu l'as... Oui, crevé, saloperie, ouais. Ah, je sais pas si qui c'est qu'il a eu, là, mais... Bon, bref. Ce qui compte, c'est quoi? Ah, tu l'as cassé, parce que tu l'as jeté contre le... Ah, par contre, toi, t'es salaud, tu casses ta lance et, en fait, Bah, j'en ai deux, des lances, là. Ouais, mais moi j'en ai plus qu'une. Ah bah tiens alors. Oh là là, comment il est lui? J'espère juste avoir. Serpent. Il est où là? Il est où? Je sais, bah là par contre je sais pas où il est. Je bouge pas. Putain, il est où? Saras. C'est comme ça que je fais moi. Putain, il est où ce bâtard là? Ce petit... Il est par là hein. Il est peut-être derrière l'arbre ou un truc comme ça. Fumier, il nous attend en fait quelque part. Et heureusement qu'ils ont mis le bruit parce qu'imagine, tu mets pas le bruit. T'as, il est où quoi? Il est où? Ah, je vois. Attends, je crois. Il est pas en face de moi là? Là, où je visais, non? Non, c'est pas ça. Non. Et on l'entend plus par contre, enfin, c'est pas le bon plan ça qu'on l'entend plus. Je vais un peu plus loin. Oh, pas du tout. Ouais, bah t'es repassé devant là. Bah donc tu vois, il est dans le coin. Ouais, il est dans le coin, mais où? Attends, il y a un tas de pierres là, il y a nickel. Ah, ça, les viewers, vous avez pas encore vu en fait quand je l'attais. Bon, par contre, ta lampe elle sert plus à rien, je disais. Mais non, mais c'était pour regarder. Pourquoi t'en as trois sur toi? Bah parce que je ramasse dans les bateaux, et j'en ramasse et ça se double et je crois que j'ai ramassé la tienne. C'est ce que je me disais. Fumier. Bah tu l'as acheté. Tu l'as acheté, toi, attends. Voilà, les cailloux, alors petit stock, par contre vraiment petit stock quoi. Je sais pas j'en ai combien sur moi. Putain, on en a 8 quoi, 8 cailloux, super. Franchement. Alors pour faire notre rank hein, au passage, mais sauf que. Faut pas aller loin avec 8 cailloux là. Y'a pas un deuxième petit stack de bois là. Y'en a là des cailloux, j'en ai mis 5 à terre moi. Bah t'en as ramassé donc c'est déjà ça. Y'a toujours des noix de coco aussi, faudrait qu'on mange des noix de coco. Sinon faut qu'on fasse des stacks de noix de coco, faut qu'on fasse des stacks de. Oh putain, les noix de coco qu'il y a, la vache, la quantité. Et le croco... Le... Oh putain. You. You. Le cochon, on va pouvoir le mettre à l'arrière du bateau, c'est ça fait comme les animaux qui remuent la tête, tu sais. Oui, j'ai envie qu'il y a... Bon, hey, j'ai pas trouvé le serpent, je me suis barré, c'est quoi? Il y a de... Je me suis dit, petit fumier, là... Il y a de l'escouille. Encore un caillou. Il dit toujours non. C'est un gros cochon qui fait non non non. C'est un peu ça, excuse-moi je chante mal, mais tu m'as compris. Ouais. Ouais mais il était marrant quand il disait non, il dit toujours non. Non il a arrêté de dire. Ah si. Ah non mais regarde, n'importe comment que tu le jettes, il retombe automatiquement sur ses pattes et il dit non. Et tu vois, ça met un peu le temps, mais dès qu'il a un peu de vitesse. Voilà, attends. C'est quoi tous ces coffres là? Tiens, bah, je vais pouvoir commencer à stocker moi. On parle, on voit pas le fond du pain. Ah ouais, on parle, ouais. Voilà, alors. Celui-là il est plein déjà. Celui-là il est pas plein. Donc là, bon, écoute, on a 12 cailloux, mais le problème c'est que. Cailloux, c'est quoi? Je vais chier les autres cailloux en fait. Parce que là, c'est quoi tout ce merdier là? En fait, tous les coffres sont ici là. Ah oui, j'ai ramené là, tous les coffres sont là. Ah, donc là on aurait potentiellement deux slots, mais en fait, on est dans la merde en fait. Ça. Quoi donc? Dans la merde. Bon, déjà, on va manger notre coco, c'est quoi pour commencer? Ouais. Faut commencer par se mettre bien. Deux notre coco minimum. Bon pour la santé, important pour les sels minéraux, les nutriments, enfin pas nécessairement les vitamines, pardon. Voilà. Allez, glou, on jette,
coup, on mange un petit coup. Clean, clean. On est comment? Ouais, bah tu vois, faut que je reboive encore d'autres. Il y a de l'aloe vera aussi à ramener, mais bon, ça je pense qu'on va pas la ramener. Parce que tant qu'à faire, je préfère. Alors, je préfère dézinguer, ouais, et ramener plein de. Si on peut ramener encore 12 feuilles de palmier, moi ça va. 12 feuilles de palmier, t'as un truc. Hein. Bah, un coffre entier, hein. Franchement, bah, minimum. En fait, minimum, parce que je te rappelle qu'ils font les 12 ensemble après en 4 ou 5. Parce que j'ai peut-être même en 5, donc on aura 72, mais. 72, c'est que 10 fois ce qu'on a sur nous. On en a 7, nous, 7 12. Là, c'est même pas 10 fois. Ah, par contre, bah, je suis con, je viens de faire la connerie. Faut garder les têtes, hein, telles quelles. Là, j'ai des feuilles sur moi, donc si on voit qu'on y reste de la place, je laisse les feuilles, je prendrai que la tête. Et la tête. Alouette. Alouette. Je crois que c'est au bout de 3 coups, je crois. Ah, bah, je viens de casser ma pioche. T'as hachette. Ma hache, pardon. Bah, tu me laisses faire. Hein. Garde un slot. Si tu peux garder un slot, ça nous arrangerait. Parce que je crois que c'est en plus. Non, ça me fait pas tiffer. Bah ouais, mais ça me fait chier. Voilà. Bah en fait, pour l'instant, tiens, range les coffres. Moi, je m'occupe des feuilles de palmier là. C'est 4 coups, ouais, c'est 4 coups avant de pouvoir ramasser. Tiens, il nous faudrait aussi de la... Et il nous faudrait un stack aussi de ficelles. Enfin, de tissu. De fibreux. Donc voilà les viewers, voilà, c'est ce qu'on fait hors vidéo en fait, hein, c'est ce qu'on fait là. Encore une fois, l'objectif c'est qu'on subgrade un petit peu notre bateau. Il faut qu'on essaye de ramener le pneu aussi, mais je pense qu'il va jamais aller sur le bateau. 3. Et je peux ramasser. Voilà. Notre coco. Oh, tu cherches ta maman, elle est là-bas à côté du bateau. Et peut-être que par contre, si tu veux jeter le pistolet par exemple, vas-y. Hein. On a rien à foutre du pistolet. Hein. Allez, j'ai pas de pistolet moi. Et puis la fibre, je t'ai dit, la fibre, il en faut masse. Ouais, mais attends, je vais déjà essayer de me refaire une machin, parce que je vais pas rester comme ça sans rien faire. Si, tu contre, elle est un peu plus grande, cette fibre. Non, si tu peux garder ton slot, ça nous arrangerait, Farah, parce qu'on en a trop. Après. Ou alors je jetterai la mienne, au pire. Je jetterai ma hachette. Un slot de gagner, c'est bien. 4, 5. Alors, non, mais je peux rien faire, je peux même pas faire les trucs. Si, hein. Tu ramasses une autre coucou, là. Oh, mais tu crois que je vais ramasser une autre coucou pendant 2 plombes? Bah oui. 2, 3 et 4, et je ramasse. Voilà. Parce que là, moi je casse tout en fait, il doit rester notre coucou un peu par terre, partout. On va le dézinguer cette île là, tu vois. Sans se prendre le serpent qu'on sait pas où il est. Il semble qu'il était par là le serpent d'ailleurs. Oh putain, je l'ai à peine dit. Il est où ce fumier de serpent là qu'on entend là depuis tout à l'heure? Je vois pas Farah, ça me fait chier. Il est où? On sait rien, je vois pas. Faut pas aller par là en fait, tu vois. Putain, quelle misère. J'étais là pendant un moment, je l'ai pas trouvé. Non mais moi non plus, hein, j'ai regardé, mais putain, y a des coucous qui tombent partout là. Les autres coucous sont plus intéressantes d'ailleurs au passage que les trucs, hein, que les feuilles de palmier. Hein. Enfin, pas tout à fait. Parce qu'en fait, une autre coucou, on peut en stocker par 4, c'est une dose. Les palmiers, c'est... Non, c'est beaucoup plus... Putain, j'ai tout pété, hein, c'est fait. Bon, pas grave, j'ai rien dit. Donc, je disais, oui, les palmiers, c'est 5 feuilles. Et on peut les mettre par 4, donc en fait ça fait, c'est équivaut à 20 feuilles. Comparé aux 4 noeuds de coucou, donc en fait non, il n'y a pas photo, il faut vraiment en fait dézinguer toutes les têtes là. 1, 2, 3, 4, et j'en masse. Voilà. Mets sur moi. Je peux encore en former. Hein. Les tissus, hein. Ramasse des yucas, les machins là, vas-y, à fond. Hein. Le problème c'est que là en fait, il ne reste plus que les palmiers, c'est que du côté du serpent là. Je crois. Enfin, presque. Par contre, il faut mieux ramasser des noix de coco que des feuilles, tout court. Oui. C'est ça que je voulais dire. Pas l'ensemble des feuilles, juste une feuille. Voilà.
Donc, ouais, si tu veux ramener notre troupeau, vas-y, hein, parce que vu qu'il y a un serpent dans le coin, là, je sais pas où c'est qu'il est, j'ai peut-être pas ramassé toutes les. Je sais comment là déjà. 3. Il reste des branches de palmiers à terre là. Hein. C'est le serpent ce coup là. Ah, tu vois. Il est où le putain de serpent là? Je me taille. Non, parce que c'est pareil, si tu peux boire maintenant, vas-y, bois. Donc, c'est vrai que pour un objectif de refaire notre radeau, en fait, on n'est pas du tout. Pas fait du tout ce qu'il fallait faire. Je pense qu'il va falloir qu'on jette des trucs. Tiens, il y a une lampe là, t'en as combien sur toi des lampes? J'en ai plein. Bah, tu vas. J'en ai 4. T'en as 4? Bah, tu vas en jeter une. C'est quoi ce bruit là? C'est toi ça? Ok, moi je vais prendre ça. Planches, parce que les planches c'est intéressant, mais pour le coup je préfère par exemple là voilà, jeter le bâton et puis plutôt garder les planches. Je sais bien que c'est pas pour ça à la base, mais pas grave. Bâton, voilà, ok. Ensuite, là il y a encore une. C'est toi qui a laissé une feuille de palmier là comme ça. Donc un coffre entier, un seul coffre. Il y a encore un bout de serpent ou c'est moi là? C'est toi? Qu'est-ce que t'as fait encore là? T'as encore fait une connerie hein. Mais non, c'est l'artisanat, tu prends le level en artisanat. Eh, faut que tu... Le gros port, faut qu'il passe sur le bateau. Il oui, faut qu'on l'embarque. Et moi je le ramène à la base, bah, tu le mets au-dessus de la porte, tu sais, comme ça là. 4, et j'en masse. Voilà. Je suis comment là? Donc 2. Donc encore 2. Il est où le serpent hein? Toujours pas de serpent? Je sais pas où est-ce qu'il est, il se cache. Et dans le sol, il y a que les crocs qui dépassent. T'as vraiment bien trop court. Oh, ouais. Je vais en prendre une de coco au passage. Peut-être 2. Voilà. Ok, je suis comment? 3, plus que 1 et j'ai rempli mon stack. Et à partir de là, je pense qu'on sera vraiment bien. Il y a des coco partout, Phare. Hein. Donc si tu veux te servir, vas-y. Il y en a partout, partout, partout. Si je pourrais en mettre plus d'ailleurs, là, s'il y en a de quoi, en fait, on remplit encore un autre coffre, on remplit un autre coffre. Là, tu vois, si tu peux chier toute cette merde là, ou rassembler les pistolets et tout ça, là, vas-y. Hein. Et la lampe, écoute, on la jette, hein, si on a déjà 4. J'ai tapé un coup en plus sur celle-là, malheureusement. Une autre coco, passage. Ok, merci, Phara. Passage, j'ai mangé aussi. Donc, peut-être que tu verras mieux le serpent. Ou pas. Ah, plus de place dans l'inventaire. Putain, tu vois, il fait chier à faire ça. Franchement, il fait chier. En fait, on peut. C'est juste qu'il faudrait qu'il remplace sa main. Tu vois? Mais sauf qu'il ça, il sait pas faire, le joueur. Remplacer sa main. Je veux dire, remplacer ce qu'il a dans les mains, en fait. Et ça, il sait pas faire. Il faut que j'en boive encore. Donc, est-ce que t'as commencé à trier les coffres ou pas acheter ce qui était pas bon? Encore. Que ça a encore été expédition pour rentrer, moi, je te le dis. Oui. C'est là, je vais la boire. On peut ramener notre coco quand même ou pas? Ah non, on peut ramener. Ouais, putain, c'est rouge hein, quoi, je disais. Donc, qu'est-ce qu'il y a acheté? Oh, qu'est-ce qu'il y a acheté? Il y a plein de merde acheté, c'est un truc de fou. T'as ramassé le pistolet là? J'ai acheté le pistolet. Bon, le. Bah non, parce qu'il y en a un autre là, regarde. Là. Oh, mais c'est pas possible. Il y a plus de pistolets que. J'ai envie de le jeter dans la gueule, sans tout ça, quoi, pour voir ce que ça fait, quoi. Ouais, putain. Allez, quoi. Bah, y'a plus de pistolet, c'est bon. Bon alors, on était où? Non, il y avait un coffre rempli de trucs de palmier, là. Ouais, c'est bon, ici. 4, ok. Les feuilles de palmier, je vais pas les ramener, on va ramener plutôt les autres que vous, tant qu'à faire. Alors. Merde. C'est ça que je voulais faire. Alors c'est le Tetris, voilà, les viewers c'est ça qu'on fait tout le temps. On va pas dire du Tetris. Merde hein. Hey, oublie pas Pumba. Attends, il y a du monde aussi sur le bateau.
Ah, il dit moins non sur le bateau. Il est plus partant pour prendre le bateau que. Tiens, on va le mettre à l'avant, ça va peut-être faire peur, tu sais, au requin qui nous emmerderait. Ah non, mais on va le tenir, sinon il va baler le truc. Et peut-être qu'il va partir à la flotte, mais sinon ça pourrait être un excellent appât pour le requin. Donc, du coup, les coffres ils en sont où là? J'en ai des autres coucous encore? Il y a des coucous, il y en a partout. Je les ai coupés, il y en a partout, partout. Tu vas attendre un instant, tu vois. C'est où les autres coucous là? Oh putain! Tu vas finir par te faire bouffer! Oui, je sais. Eh oui, on avait dit aussi un stack de fibres. Là, j'ai 3 noix de coco sur moi. 4 noix de coco, donc là, on va dire que c'est déjà pas mal. Si j'avais ramené ça, ce serait cool. Et après, bah, c'est de la fibre. Il y a un yuka là, tout ça. Est-ce que t'as un stack de fibres aussi ou pas? Ouais, il y a des fibres, mais. Une noix de coco, quoi. Attends, ça, c'est l'arbre yuka, ça c'est bien. Il y a beaucoup de fibres sur les arbres yuka, c'est pour ça. Ouais, si j'arrive à ramener un stack, ça serait bien, quoi. Voilà. Donc on peut en mettre 24 sur nous des feuilles, hein. Donc moi j'en ramène 24, si on peut. Si on arrive à en avoir 24, mais je pense qu'il y en a, il y en a 24 sur l'île. Là, le verre, on va laisser tomber. Faut pas rêver. En fait, on a massacré cette île, on a fait du gaspillage, là, ça. Ah ouais, je trouve. Ah ouais, tu le trouves quoi. C'est pas du tout écolo ce qu'on fait. Tu trouves qu'on a un petit peu défoncé. On l'a défoncé. Je trouve qu'effectivement on a un petit peu défoncé l'île. Bon, après il fallait bien. C'est léger. Voilà. Est-ce que t'as des petites touffes? Est-ce que t'as des... Arrête, ça me reste poli s'il te plaît. Est-ce que t'as des fibres sur... Est-ce que t'as des fibres sur toi, sans déconner? Ah, t'es soif. Bah, prends des noix de coco. Ouais. Oh, mais j'arrête pas de boire des cocos, ça me gonfle les noix de coco. Ça a le bol, je vais plus boire noix de coco. Des fibres, il y en a là des fibres. Ok, j'en ai combien sur moi là? Non, pas ça. C'est ça. J'en ai 13. T'en as 3? Ça fait 16. Bon, il me faudrait encore 8, tu vois, idéalement. Et qui t'a complété? 7, idéalement. 6. Voilà. Comme ça, au moins, on aura un stack entier de fibres. C'est toujours ça. Là, il a plus de tout, là. J'ai tout dézingué, là. Le marteau, c'est le nôtre ou c'est un marteau que t'as trouvé en plus? Non, c'est le nôtre. Ah, c'est le nôtre, bon. Faut que je jette alors. Ah, tu voulais jeter? Ah ouais. Je pensais qu'il était encore un de plus, quoi. Non, on est à 2. Bon, 2, ça me suffit. Bon, attends, il faut trouver... Non, mais là, il faut trouver notre coffre, là. On peut plus, là. C'est pas possible. Bah, c'est le dézingué, c'est ce que tu veux, je te dise. Non, mais on pourra jamais tout mettre. On pourra jamais tout porter, les coffres. Bah, si, alors, écoute, c'est encore un fibreux. Bon, moi je m'arrête avec les fibreux parce que sinon on se sent pas encore qu'il est dans le là. Putain, il est caché derrière. Voilà. Ok, donc là les viewers, normalement on est bien. Je sais pas, j'en ai combien, mais j'ai presque un stack pour le moment. Juste chercher et on se casse avec tout ce qui reste sur l'île. Ah bah, je sais pas comment faire parce que moi j'ai que 2 slots de libre alors. Bah, on va remplir le bateau. Ah, moi j'en ai plein des slots de libre, regarde. Là. Là, j'en ai 2 aussi. Et on a 2, 4, 5. Et on a 5 coffres à embarquer. T'es parti où là? Parce que là, il y a du bois ici. T'es pas là. Putain, t'es parti là, où encore, bordel de merde? Et je suis au bateau. Putain, mais ramène ce putain de bateau ici. Mais je plaisante. C'est ça qui est la loi. C'est quoi ça? C'est un petit cochon. Oui, donc du coup, on va faire le Tetris. Et puis on va essayer de rentrer à la base comme ça. En mode Tetris, il est déjà fait. Hein. Non, il est pas déjà fait. Là, on a des coffres en plus, on a ramené 2 coffres en plus, ce phare. Donc, alors. Putain, la vache, les coffres qu'il y a. Donc. Le pneu, il va falloir le mettre aussi, le pneu. Parce qu'en plus, il y a un pneu en plus. Oh là 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 là, c'est pas possible. On va jamais y arriver. Mais si, regarde, le pneu, on le met là. Bien. Sur le cochon. Moi je serais toi, déjà je mettrais le bateau à l'eau. Déjà. Oui, c'est vrai que t'as. Ouais, mais on a pas d'encre. Mais on a pas fait l'encre. Ah bah oui, oh bah merde, on a pas fait l'encre. Attends. Voilà, oui. Ah bah ça va faire un peu plus de place. Attends, on a quoi là? On a de la ficelle, je crois. Non, c'est quoi ce coffre de merde là? Qu'est-ce que c'est que ce coffre de merde? Quel coffre? Le coffre rempli de conneries là. Celui-là? De feuilles de palmier là, c'est de la merde ça.
Et c'est toi qui m'as dit on les prend. Non, ça on prend pas, ça j'ai dit on prend pas. Et on va, tu vas. Pff, oh là là. Ça c'était pas à prendre, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, les fibres au passage. Voilà. Du coup, bah du coup c'est plein. Du coup ça c'est plein, ça c'est bien. Ça c'est bien, je suis tout à fait d'accord, faut garder ça. Ici, bah ça faut absolument le garder. Et ça aussi, faut absolument le garder. Donc conclusion, sauf la une pierre peut-être. C'est quoi hein, il y a un coffre plein, il y a un coffre plein, il y a un coffre plein. On va essayer de pierre, voilà, donc, c'est ce que je te dis, oui. Quand il y a une pierre, ça nous sert pas. Ah, mais il est plein, plein. Sachant que, attends, on va en désinguer 6, on va faire une encre. Bah vas-y, on va prendre bien celle-là. Par contre, j'ai un gros doute, hein. Pour le pneu et le sanglier, j'ai un gros doute. Hein. Donc celle-là, c'est marrant, les vieux. C'est un coup à finir à la baille. Je suis sûr, on va encore... non mais s'il passe par-dessus bord, on s'en bat les couilles. Alors, le attends, fameux... Attends, j'ai une corde, moi, j'ai une corde, si tu veux, tiens, j'ai une corde. Justement, je regarde. Qu'est-ce qu'il faut ? Tiens, il y en a une par terre. Trois cordes. Trois cordes déjà, non, ça je le sais. C'est quatre cordes. Quatre cordes, six pierres et un bâton. Il y a une corde par terre. Voilà. Une corde. Tiens. Donc quatre cordes, on a... c'est quatre cordes, on avait dit. Hein. Ok. Les pierres, elles sont six pierres. Yeah. Encore une. Bah, tu vois, hein, c'est tes pierres là, il n'y a plus grand chose déjà. Bah, encore une, non. Ah, il me fait encore une, mais t'as raison en fait. Ouais. J'arrive pas, je te le dis. Ah normalement sur moi là j'en ai 6. Et un bâton. Non j'en ai 8, j'en ai 8 sur moi. Et un bâton. Attends, un bâton. J'en ai 8 sur moi. Voilà, sauf qu'en et fait... Le sanglier, sanglier est toujours pas d'accord. Et un bâton. Et un bâton, ils sont... et les bâtons il y en a là, pas. Là, ici, là. Et un bâton, là. Hop, ici. Ok, je peux crafter là. Il me propose un arc, il me propose lance-harpon, canne à pêche. Il me propose pas, tu vois. Il me propose ce que je veux, quoi, cet imbécile, là. Donc... Il est où là ce truc là ah, allez, sauf qu'il faut le marteau sur moi. Il est où le marteau? Putain. Marteau. Le marteau de merde là. Attends, on est là, on est vraiment comme des pouilles, on dirait un putain de bidonville là sur cette plage là. Il est là le marteau? Non, il est là. Où ça? Tu l'as foutu par terre le marteau? Ouais. T'as foutu le marteau par terre? Ouais. Putain, plus j'ai trop de trucs sur moi là. Dégage-moi ça là. Bon, enfin. Donc là c'est bon. C'est encre. Voilà. Alors, on va faire attention, je fais le cric. Vas-y. Et bon. Voilà. Bon, le cochon n'a pas bougé. Et bon. Ah oui, c'est vrai. Oh, merde, alors, putain, j'ai pas la lance. Je récupère ma lance parce que la lance, c'est vraiment important. Ok. Les planches, je peux les prendre. Déjà, t'as remarqué que là, il nous reste une place dans un coffre, je crois. Là, il nous reste un caillou. Il nous reste un caillou dans ce coffre-là, au pire. Tous les coffres sont remplis, hein. Il y a une ficelle, quoi. Une ficelle, un caillou, quoi. On n'a pas autre chose à prendre plutôt que de ne pas ramasser par exemple 4 noix de coco ou des trucs supplémentaires là, des. Non. À la place d'une ficelle. On jette une ficelle, c'est quoi, puis on se met 4 trucs. Ça te dit ça? De toute façon, il va falloir libérer des. Ah, moi j'ai 4 stacks de libre maintenant. Oui, et puis tes trucs. Alors attends, les poissons, on en a rien à foutre, tu les fous la poubelle, sûr. Ça, je prends. Ça se casse la gueule. Là, je prends pas. Celui-là. Là. Là, je prends. Voilà, j'ai déjà 2 coffres en moi. Attends, moi je ramène encore 4 demi, parce que la vitesse où ça part. Et il y a des noix de coco partout aussi au passage. Et je crois que là-bas il faut pas aller, parce que je crois qu'il y a le serpent à la con. Hein. Voilà, qu'il y a le serpent. Toi, je vais me faire grailler tout à l'heure, tu vois. Ah oui, non, mais justement, mais tu vas crever là. Tu vas crever, et puis on va être obligé de tout recommencer. Mais qu'est-ce que tu es parti faire là? Bah, je suis parti récupérer encore des. Bah, on a encore des sauts de libre. Y'a plus de place dans les coffres, putain! Quoi? Y'a plus de place dans les coffres! Mais si, chez lui, y avait une ficelle. Et y'a un endroit, y'a une seule ficelle. Et y'a un seul caillou. En tout cas, j'en ai un peu rien à branler, moi. Donc, alors, regarde, au moins la ficelle. Donc, je ramène encore un stack, tu vois. Un stack de palmiers, moi, je prends. C'est quoi la ficelle? Je vais essayer de la poser sur le bateau avec un peu de chance, on va peut-être la retrouver à l'arrivée. Ouais, c'est ça, tu vois. 4. J'en ai combien là? Tiens, encore une. Une seule. Putain, je suis sûr c'est là-bas là qu'il est le serpent. Tiens. Transport de. Tiens, je vais me faire grailler par un serpent. Tiens, je suis sûr mais gros connu. Ah oui, non, mais bien sûr, tu vas te faire bouffer. Elle va dire, ah bah voilà. Il tombe en plein dans les serpents, tu vois. Il va dire, vous allez entendre, ah bah voilà. Oui, bah, c'est ça que je veux dire. 1, 2, 3, 4, voilà. Puisque j'y suis, voilà, je vais me faire aussi une autre coco, parce que j'ai le temps, dans les serpents. Non mais là, l'autre coco, non mais c'est atroce, ça aussi.
Bah oui, c'est pour ça que je dis, c'est notre coco, vas-y, hein, tu t'en fais. Hein. Allez, on en a 4. Hein. Bah, c'est pas du tout écolo parce qu'en plus, on les mange pas jusqu'au bout. Ah, je suis comment là? Ouais, bon, écoute, moi je suis bien. Je me casse. Non, là, c'est notre coco là. Parce que je suis là. Et sinon, on se fait encore 4 notre coco ou pas à remplir? Non, ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire, on se tire. Ok. Ok. Bah, je mange aussi. Hein. Oh putain, j'ai cassé ma hachette. On se casse. Ah bah, c'est bon, on se casse maintenant. Allez. Bah, ça fait un slot supplémentaire. Ah bah, oui, vas-y donc. Eh. Bah, c'est toujours ça. Hein. C'est pas comme bon. Si on avait plein de mal à prendre. Hein. faut prendre les 4 caisses là. Eh. Tatin. Bingo. Et j'ai encore une place de libre. Bah, tu vois, c'est ce que je t'ai dit au final. Bah, prends les 4 bâtons ou je crois. Il y a 4 bâtons, j'envoie toutes les feuilles, moi j'en sais foutre rien. Et là, on va rigoler. Parce que maintenant, quoi, je prends la corde peut-être, non plus. La corde, non? La corde, la ficelle. Ficelle, ouais. Pff, la ficelle, c'est 4 fibres. Elle a l'air de la fibre quand c'est des condors. Alors, je prends quoi? Ouais, prends les palmiers, je préfère les feuilles de palmiers, moi. 4 palmiers, je préfère 4 feuilles de palmiers. Ouais. Voilà. T'arrives à tout ranger ou pas? Bah, c'est bon, nickel. Bah, on se casse. On est bien, là. Je mets à l'eau. T'as, par contre, t'as... Non, c'est un caillou. Voilà. Non, ça va pas le faire parce que. Voilà. On n'est pas arrivé avec le tonneau ici. Je te dis. Non, mais c'est pour ça que j'ai envie de garder les viewers en fait pour qu'ils voient ça. Il faut qu'on aille au sud-est du coup. Sud-est, c'est à droite. Hein. C'est quoi ce bruit hein? C'est l'encre. Oui, si j'ai merdé avec l'encre. Tu m'as fait peur. Allez, on va être sur Simon. Attention, je tire la voile. Non, je suis pas dessus. Eh, ça penche d'un côté, il a déjà. Allez, le pneu. Le puissant. Allez, laisse le pneu, on s'en fout, le pneu. Alors, attends, on va équilibrer. Voilà, allez, vas-y, roule ma poule, vas-y. Roule ma poule, t'es gentil. Alors, attends. T'es prêt? C'est parti. Vas-y. Vas-y, roule. Sud-ouest, on a dit. Ça avance, là hein. Oh, non, il faudrait que tu pousses. On est coincé là, alors. Vas-y, j'ai enlevé la lève. Faut que tu descendes et que tu tires un peu le bateau parce qu'on est sur les rochers. Putain, je vais faire griller par là. Toujours qu'il penche d'un côté, moi le truc. Bon, ça tire. Vas-y, lâche tout. Et monte. T'as marre. Et tiens-toi là. Bouge plus, reste là. Oh putain. Non, viens pas ici, en bas. Voilà, c'est bon là. Vas-y. Ouais, ça me fait beaucoup rire. Alors, les viewers, j'aimerais que vous mettez dans les commentaires, évidemment, avant d'aller voir la fin de la vidéo. C'est moi ou on bouge pas beaucoup, là? On tourne sur place. Eh, hey, non mais arrête comment t'es enfoncé dans le bateau. Vas-y, attends, j'ai jeté des trucs. Mais il faut... Ah bah voilà, faut jeter le pneu. Attends, j'ai jeté la corde, la ficelle, parce que Oui, c'est la ficelle, bien sûr. Tout est là. Oh putain, je me dis... T'es dans la ficelle, bien sûr. La ficelle qui merde. C'est pas l'autre. C'est pas. Vas-y, j'ai de mon sport à la con là. Voilà. Putain. T'as vu, attends, ce qu'on va faire. Tu vas le soulever pendant que je rame. Ouais, mais moi je vais pas soulever le pneu, tu vois, si je vais soulever un truc. Bah, les cochons. Bah, le cochon, je m'en bats les couilles en fait du cochon. Grosse viande. Bah, dans ce cas-là, je récupère ta grosse viande. Cuir. Moi je vais faire. Attends, c'est quoi? Dégage. M'en fous du gros cochon de merde là, putain! Je préfère avoir le dernier pneu là, merde là, c'est bon, il est parti! Derrière toi les pneus! Attends, bouge pas! On va jamais y arriver, mais on est encore sur le sable, c'est pas possible! Le pneu, oui, mais là, normal, la voile est. Oh là, mais c'est pas possible, on va jamais y arriver! La voile était. Les viewers, on va beaucoup rigoler, je pense. À rentrer, ça va être super marrant. Voilà. Moi j'y suis, je tiens le. Ça, tu vois? Non, t'aurais dû tenir le cochon, il est où le cochon? On s'en bat les couilles, il parle. Mais c'est copain. C'est copain comme cochon. Attends, il y a un caillou. Mais tu m'attends même pas, putain, il se barre sans moi. Aïe. Non, ce que j'ai envie en fait, c'est ramasser le caillou à la con là. Parce que là, il y a un caillou qui ne sert à rien. Clairement, Mais en fait, je pense que c'est un nombre d'items. Regarde. On jette le caillou, ça va déjà mieux au radar. Eh,
Je suis sérieux quand je te dis ça, c'est un nom d'item en fait. Ouais, vas-y, ouais. Allez, remets-toi, remets-toi. Attends que je m'y mette, tu vas voir. Mais non, ça va être pareil. Ah, là, on est bien, allez, vas-y, roule ma poule. C'est moi, tu coules un peu, regarde. Ça avance ou pas? On tourne en rond, putain. Non, c'est parce qu'il y aura, je tiens le cochon. Ouais. Ça avance, hein? Là, c'est bien. Ça avance, là, tu vois? Là, c'est pas mal. Bon, bah, du coup, je tiens le cochon. Là, on est bien. Ouais, tiens le cochon. Le tout, c'est de savoir par où. Le pneu est parti, le pneu est parti! Non! Attends, où est le pneu? Ah, bah, le pneu est parti. Putain! Ça, c'est important, le pneu, le cochon, on s'en bat les couilles, putain! Non, touche pas le cochon, putain! On est en pleine mer avec des requins! Oh, bon, les viewers, on va essayer de rentrer, parce que je pense que la vidéo fera une éternité sinon. On va essayer de retourner ce putain de bateau là. Le problème, c'est, la voile est dressée en dessous là. Bah, la voile est dressée et ouais. Et on est à l'envers. Bon, alors moi ce que je te propose c'est mets l'encre. En pleine mer. Mets l'encre, voilà. Bon, il est dans l'eau. Enfin, je crois. Non, je crois qu'il tout voilà. Au moins ça a fait plouf. Maintenant on pourrait peut-être le retourner. C'est pas dit qu'on y arrive, mais voilà. Sinon, il va falloir qu'on le ramène sur une île, parce que sinon, on fait comment, là ? Putain, c'est agréé par un requin. Donc, ce qu'on va faire, les viewers... J'ai pas d'autre choix. Attendez, j'ai ramassé le... Elle est où, l'encre, là ? L'encre. Récupérée. Voilà, c'est bon, elle est remontée, l'encre. J'espère qu'on puisse bouger. Oh, putain, t'as... c'est bien, ça va leur tourner. Oh, c'est beau, c'est beau ! Vas-y, grimpe du même côté que moi. Grimpe du même côté que toi, comment tu veux que je grimpe ? Ouais, c'est bon. Oh putain, requin, aïe. Allez, bah... Je ne vais plus dans l'eau. Je disais les viewers, ce qu'on va essayer de faire, c'est se remettre bien pour la prochaine vidéo. Oui. Déjà, si on y arrive. C'est le cochon de merde aussi. Il n'y aurait pas eu ton cochon de merde, on était bon là, putain. C'est pas vrai ça. Dis donc, elle est loin l'île. Oui, c'est ce que je me disais, la vache. Bah, va falloir se relayer. T'es comment niveau vie? Pas bien, parce qu'en plus, j'ai avoir une. Non, en fait, t'es pas blessé, c'est déjà ça. Bon, bref, on se laisse ici et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye.